Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve, je crois que c'est la partie 16, mais je ne suis pas sûre, de l'album Photo de naissance vintage, voilà, que j'avais laissé inachevé avant de partir. Ben, ça c'est moi qui je vois toujours tout en grand et je m'embarque toujours dans des trucs pas possibles. Donc, juste pour rappel, on avait fait ça. Elle est où l'autre? Donc, on avait fait la première page, vous vous souvenez? Et alors, elle est quand même épaisse. Hein, et le problème, c'est que pendant mon absence, comme dans mon atelier, si j'y suis pas, en fait, il n'y a pas de chauffage. Enfin, il n'y a pas beaucoup de chauffage, de toute façon. On y fait très froid et un peu humide. Et donc, le papier a bougé. Donc, j'espère que ça va aller quand je vais le coller. Je ne sais pas si vous voyez, là, voilà. Et donc, on avait fait ça. Et j'avais fait la deuxième page aussi, qui était celle-là. Voilà. Qui est quand même très, très grosse. Vous en souvenez? Voilà. Bon, là, je n'avais pas refermé. Voilà. Et donc, du coup, comme elle est trop grosse, vous voyez, le. Alors, pour le coup, ce ne sera pas recto verso. Je vais faire des pages de l'autre côté plus light, on va dire. Parce que sinon, je pourrais pas les mettre en reliure. Ça va pas faire joli. Parce que là, vous voyez, il faut que ce soit plat quand même. Ce côté-là. Donc voilà. Et donc, ben, vu que ça, c'est la première page, vu qu'il est né en octobre, je sais plus. Oui, octobre. Oui, c'est ça. Ou septembre, je sais plus. Bon, bref. Donc ça va être les premières photos. Vous vous souvenez, on avait fait un côté maman, un côté papa. Hop, il y avait les photos. Il y avait la rencontre. Et après, là, c'était bébé. Donc là, il y aura les premières photos. Donc, l'idée m'est venue, en fait, que derrière cette page-là, donc de ce côté, je ferai une double page consacrée à son premier Noël, où il y aura marqué mon premier Noël. Voilà. Donc oui, je suis dans Noël en ce moment. Voilà. Donc j'ai préparé les pages. Donc vous voyez, c'est vraiment pas épais par rapport à l'autre. J'ai préparé les papiers. Donc j'ai pris le bloc. Excusez-moi, il y a un gros bazar ici. J'ai même pas rangé. J'étais trop pressée en fait de continuer. Non, j'ai pris ce bloc-notes puisque vintage, Christmas. Donc, on reste dans le vintage. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ceci. Alors, la fermeture, je sais pas encore. Hein. Les papiers sont pas collés là. Hein. Je les ai juste préparés pour gagner du temps aussi bien pour vous, surtout parce que c'est long. Donc voilà. Je me suis servi de mon super nouveau massicot qui est juste génial. Je gagne un temps pas possible, rien que de le fait de ne pas me prendre la tête, à voir si le papier est bien droit ou quoi, c'est que du bonheur. Donc voilà. Donc elle va s'ouvrir comme ceci. Là, il y a trois volets. Voilà.
là. Là, il y aura une grande pochette où on mettra un tag. Et après, ils pourront bien sûr y glisser des photos, tout ça. Voilà. Là, c'est la... Donc, ça, ce sera la page qui viendra se coller. Voilà, excusez-moi, c'est... Parce qu'en fait, c'est derrière le téléphone, donc je suis désolée. Donc, en fait, cette page va venir comme ça. Donc, ça, ce sera la première page. Et quand on tournera, il y aura mon premier Noël. Et ce qui tombe bien, c'est que, voilà, c'est bientôt. Voilà. Et donc, après, puisque je suis comme ça, je vais vous montrer... Donc après, j'ai préparé la deuxième page qui sera comme ça et qui viendra donc comme ceci. Voilà. Oups. Je vous la montre de plus près. Là, pareil, la fermeture, je ne sais pas comment on va, je vais faire ça. Juste là, j'ai pris celle où j'avais fait les passants là pour un ruban avec la perforatrice. Voilà, donc ce côté il se verra, celui-là aussi. Hop. Je passerai le ruban, par contre de l'autre côté ça se verra pas. Ça va s'ouvrir comme ça. Et là en haut et en bas pareil, je vais pas le mettre, je vais le cacher, le passant qu'on avait fait. Parce que sinon ça fait trop épais et je voudrais pas encore refaire trop épais quoi. Voilà. Donc là ça s'ouvrira comme ça et comme ceci. Voilà. Là au milieu nous ferons une cascade de photos que j'ai déjà préparée. J'adore ce cerf. Voilà. Donc j'ai préparé les papiers, j'ai tout préparé pour gagner du temps, comme ça je vous fais pas des vidéos qui durent des heures. Voilà, ça. Enfin, je vais essayer, c'est pas gagné. Voilà, bien sûr j'ai ancré les bords. Hop. 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 Là j'en ai préparé 6. Mais c'est pas dit que je fasse les 6. Hein. Je sais pas trop. On verra par rapport à la place quand je les mettrai. Et comme à mon habitude, je les glisserai sous ce papier-là. Voilà. Comme on a fait sur les premières pages en fait. Voilà. Donc je range tout ça. Hop, hop, hop. Ça, on s'en occupera après. On va faire donc ben, la première. Hein. Celle-là. Voilà, donc je vais coller le double face derrière parce que je l'ai pas fait encore et je vous retrouve tout de suite après. Bon, voilà, alors j'ai mis le double face partout, donc ben on va attaquer. Alors lettres, hop. Alors ben, je vais commencer à coller celle du fond en fait. Donc, je me le mets à l'endroit pour moi. Voilà. Donc, ça, je vais quand même mettre un peu de colle. Pour que ça me glisse plus facilement pour mettre... Alors là, il n'y a pas besoin de mettre le papier en entier, par contre, hein, puisque ça se glisse dedans, en fait. Vous voyez ? Donc là, j'ai fait qu'une bande. Donc... Je vais mettre quand même un peu de colle pour ça, parce que sinon ça peut être pratique avec le double face. Hop. Alors. J'aurais pu reprendre la taquiglue. Voilà, c'est juste de manière que ça glisse quand même plus facilement. En fait, parce que sinon je vais pas y arriver. C'est la première fois que je fais ça, je crois. Alors, enfin, comme ça en fait. Donc, et on y va. Alors,
Et voilà. Alors, attends. Hop. Excusez-moi, mais du coup, comme j'ai pas tout rangé encore, je ne sais pas où j'ai mis mes... ce que j'avais pris là-bas, ce que... Enfin, voilà. Donc, je cherche un peu. Je suis désolée. Mais j'étais trop pressée de continuer. Et puis, avec tout le travail que j'ai à faire pour Noël, va falloir que je m'active un peu. Donc, je voudrais le finir pour pouvoir continuer la suite. Je vérifie que ça s'est pas collé. Hop. Voilà. Donc maintenant je vais coller celui-là. En vérifiant bien. Hop. Voilà. Super. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais bien sûr j'ai ancré les bords avec la distress. Comme d'habitude. Alors ce double face il est blanc parce qu'en fait je l'ai acheté à Intermarché là-bas à Luchon parce que j'étais tombée en panne de double face. Enfin, j'ai fait la grande photo et ils avaient que celui-là. Alors je sais pas d'ailleurs si c'est pas un costaud là pour les moquettes, vous savez. Donc, et c'est vrai que du coup ben, je vais finir celui-là. Alors, par contre, il est costaud, celui-là. Voilà. J'appuie bien que ça prenne bien. Voilà. Donc, notre pochette, elle est prête. Hop. Tant que j'y suis, ben, je vais continuer de ce côté-là. Donc, là, je vais le poser là. Donc, celui-là, il va comme ça. Bon, là, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Et alors, après, je ne sais pas si je vais le... Je ne sais pas ce que je vais y faire. Pour le moment, c'est vrai que je colle les papiers. Ah, et alors, attendez. Non. Ça va pas. Faut que je mette un aimant là, j'avais dit. Et oui, pardon. Excusez-moi, moi qui. Je vais aller trop vite en fait. Et oui, j'avais dit que je mettrais un truc là. Mais là, l'aimant. Non, alors attendez. On va mettre. Une attache parisienne. Comment je pourrais faire ça? Je réfléchis, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, en fait, j'ai pris les tags de ce carnet-là. J'ai pris ces tags. Donc, j'en ai pris deux. Puisque je vais les coller l'un avec l'autre, avec les mains au milieu. Et là, je vais mettre une attache parisienne. Voilà. Donc, on y va. Alors, est-ce que je les ai là? Ouais. Donc, je vais prendre les aimants. Toujours les mêmes, hein. AliExpress. Et 2 mm. Voilà, donc je vais regarder à peu près. C'est que je vais le mettre. Je vais d'abord coller le papier. Comme ça, on y verra plus clair. Hein. Voilà. Comme de toute façon, il faut le faire après avoir collé le papier. Ah, je suis désolée, mais là, il faut que je retrouve mes marques, en fait. Et que je me remette surtout dans l'album de naissance. Puisque là, ces derniers temps, j'étais plutôt sur Noël.
Là, je rentre le double face qui peut se voir. Et donc là, il en reste un peu là. J'ai mal. Voilà, hop, et on y va. Voilà. Donc, on va le mettre là. Ouais, là, ça me va bien. Alors, je vais enlever le petit truc, le petit bout de papier. Je vais prendre mon dessous de plat. Excusez-moi, oups, encore, voilà. Désolée. Et oui, mais parce que j'ai tout derrière en fait, du coup. Puis il est un peu bancal aujourd'hui. Donc, je vais regarder où je vais le mettre à peu près. Là, ça me va bien. Je vais faire un trou. Je vais pas jusqu'au four, hein, j'appuie pas comme un âne parce que forcément, du coup, sinon je vais déchirer le papier dessous. Les attaches par ici. Est-ce que j'en ai des rouges? Je vais les chercher, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, je les avais laissés. Voilà. Je savais bien que j'en avais des rouges. Pour appeler le. Hop. Voilà. Donc, je vais la glisser. C'est juste pour voir par rapport à l'aimant où c'est que je veux le mettre en fait. Donc, je la glisse là. J'espère que vous voyez. Parce que là, maintenant, il commence à faire nuit. Donc. Juste l'ouvrir un peu pour la là pour refermer. Hop, je vais prendre un petit bout de double face. Voilà. Minimum. Ils sont super puissants ceux-là, ils sont. Hop. Là. Mais là, faut juste que j'arrive à décoller tout ça. Voilà. Ouais. Normalement, je peux avec les pastilles de colle, mais bah, je sais pas trop où elles sont en fait. Donc, oups, pardon. Je le colle là. Voilà. Maintenant, je peux refermer mon attache parisienne et le sortir. Puisqu'en fait, maintenant, je vais juste coller l'autre étiquette par-dessus. Donc, je vais remettre un petit bout de double face sur les mains. Je vais enlever. D'abord bien appuyer autour en fait. Là, c'est juste une précaution parce que de toute façon, il va pas bouger avec la colle, mais bon. Vous savez que moi, la colle n'est pas copine. Alors du coup. Préfère prendre mes précautions et on y va. Alors on essaye. Excusez-moi. Donc voilà. Alors j'appuie bien partout. Ça, je vais enlever le petit bout de papier qu'il y a au niveau du trou.
Donc, on appuie bien. Voilà ce que ça donne. Et j'ai mon aimant au milieu. Donc, maintenant, je peux le mettre ici. Hop. Je le retourne. J'appuie bien comme il faut, de sorte que la tache parisienne soit dans ce sens-là et non pas dans celui-là, pour pas qu'il soit trop près du papier quand je vais coller le papier déco. Voilà. Je vérifie que ça tourne bien. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Maintenant, je peux coller l'autre papier puisque mon attaché est bien scellé. Donc, je vais d'ailleurs y mettre un point de colle au cas où. Ça, c'est juste par précaution. On n'en a pas besoin en fait. Moi, j'aime bien au cas où. Ouvert la colle, refermé. Vraiment, on n'est pas obligé cette fois. Et donc, que je ne me trompe pas de sens, on y va. J'appuie bien autour. Voilà, notre côté est fini. Il faudra penser à mettre les mains ici, pas l'oublier. Limite je le ferai maintenant même. Ouais, je vais le mettre maintenant juste pour être sûr, parce que je suis capable de l'oublier après. Je vais pas le... Je le ferai en dernier, mais au moins j'aurai mis les mains. Donc, comme d'habitude, je mets le double face du côté qui est attiré. Bien sûr. Je vais pas y arriver comme ça. On va le faire plus petit parce que c'est manière, c'est vraiment pour pas que je l'oublie. Hop, hop. Donc je le mets bien droit. Je mets l'étiquette. Hop, et là je n'ai plus qu'à appuyer. Et voilà. Donc je vais juste mettre un petit bout en attendant. En plus. Voilà. Comme ça en plus ça se collera pas. Et je suis sûre de ne pas l'oublier. Donc on continue alors à coller les papiers. Je vais quand même enlever les trombones parce que ça me fera moins d'épaisseur. Voilà, je vais quand même aplatir. Bon, je finis de coller les papiers, puis parce que là il n'y a rien de compliqué, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, alors j'ai collé tous les papiers. Juste, je crois que je vous ai pas dit, en fait j'ai pris la page que j'avais fait où on avait marqué le numéro 4. Voilà. Donc, alors, pour ouvrir, hop, on ouvre. Et il y a des volets. Hop. Hop.
la pochette. On fera une taille après. Une grande pochette. Et un autre roulet. Je sais pas encore au niveau de la... Je vais pas le laisser comme ça, mais je sais pas encore ce que je vais faire exactement. Donc, voilà. Et comme il est assez tard, du coup, je pense que... Parce qu'il fait nuit. Donc, je vais arrêter là et ben, je continuerai demain. Voilà. Et en plus, je réfléchirai du coup à ce que je vais mettre comme déco. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Normalement, à demain. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez tout compris. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le dire. Hein, ce sera avec plaisir. Voilà, puis je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.